Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir le top 10 de mes mixtapes favorites. Une mixtape est une collection de chansons qui, contrairement à un album, n'a pas nécessairement un thème ou une ambiance commune. Les premières mixtapes voient leur apparition au cours des années 60 comme des espèces de compilations de tubes, avec les plus gros hits de l'été ou des chansons de Noël, vendues le plus souvent illégalement au marché noir ou sous des moyens de distribution non officiels. Les limitations techniques de l'époque ont fait que la mixtape ne s'est réellement développée qu'au cours des années 70, avec la démocratisation des lecteurs cassettes dans les véhicules ou encore avec le Walkman de Sony. La culture hip-hop se l'est appropriée à titre commercial par certains artistes comme Afrika Bambaataa ou encore Grandmaster Flash pour vendre certaines performances live pouvant aller à un prix unitaire jusqu'à 70$. Au cours des années 90, c'est la première fois qu'on le voit l'arrivée de la mixtape, utilisée cette fois-ci par un artiste à titre promotionnel, dans lequel on entend l'artiste rapper ou chanter sur des productions qui ne sont pas les siennes ou encore soumises aux droits de la propriété intellectuelle. C'est pour cela qu'à cause de cette forme, la mixtape ne peut pas être vendue à des fins commerciales. Au début et au milieu des années 2000, la mixtape permet à certains artistes de booster leur réputation ou bien leur vente commerciale d'albums, comme par exemple la manière dont l'a utilisé 50 Cent ou encore Lil Wayne. La période de 2008 à 2012 est un peu considérée comme l'âge d'or de la mixtape, car elle regorge de projets à la production originale de très haute qualité. Elle permet en effet de faire découvrir au monde certaines superstars du R&B et du hip-hop, comme Big Crit, The Weeknd, Frank Ocean ou encore Kendrick Lamar. Pour être honnête, j'étais vraiment sceptique par rapport à la qualité d'artiste et au talent de Mac Miller au début des années 2010. En effet, j'ai pris beaucoup de temps et d'années avant de porter l'attention qu'il lui mérite, car je reléguais tout le temps ses chansons au titre de college rap, plates et sans trop de profondeur. Ce dernier me fit vite me ravaler mes propos quand il évolua vers une espèce de jazz rap conscient, abstrait et très introspectif. Faces, sorti en 2014, qui a une durée de presque 1 h 30, est un impressionnant projet de jazz rap dans lequel Mac Miller évoque ses conflits internes, notamment ceux liés à l'addiction, la consommation de drogue, son succès en tant qu'artiste et sa relation avec la mort. Outre cette thématique personnelle, Miller met également la main à la pâte en coproduisant la moitié des chansons de ce projet. Pour le reste, il est épaulé par des gros producteurs du genre comme Thundercat ou encore Knife Wonder. La production est aux petits oignons, regorge de samples jazzy, c'est à beaucoup d'expérimentation, pour créer des ambiances sombres quand le propos s'y prête, ou des ambiances plus vibrantes et up-tempo. Les featuring sont également de haute volée avec la présence entre autres de Earl Sweatshirt, Absol et Schoolboy Q. Un fantastique projet qui nous rappelle la grandeur du potentiel artistique de Mac Miller et le fait que malheureusement il nous aura quittés trop tôt. S'il faudrait désigner un représentant de la nouvelle génération du hip-hop aux côtés de Kendrick Lamar, ce serait sans trop d'hésitation que je me tournerais vers J. Cole. Le rappeur qui a grandi en Caroline du Nord et après plus de 10 ans de carrière est devenu un MC et producteur accompli, et son label Dreamville est un petit peu le label hip-hop à suivre actuellement. Mais revenons en 2010 avec Friday Night Lights, mixtape du jeune MC à l'époque qui déborde de sa volonté de percer dans le game. A noter que la plupart des morceaux de ce projet auraient dû figurer sur son premier album, The Sideline Story. On y retrouve sa plume sur des chansons personnelles, chargées d'émotions et qui montrent sa rage de montrer son talent d'artiste, ainsi que celle de percer dans l'industrie musicale et de se montrer à la hauteur de ses rêves et de ses ambitions. Le projet peut un peu rebuter par sa longueur, mais il y a beaucoup de pépites dans le lot. En termes de production, J. Cole rappelle un petit peu Kanye West à ses plus belles heures de The College Dropout, avec ses samples soulful, up-tempo et flamboyant, et quelques notes de piano pour relever le tout. You Got It, The Autograph, Before I'm Gone et The Blow Up en sont des exemples parfaits. En plus de pouvoir aligner des flows plus énergiques et plus agressifs, il s'en sort également très bien sur des slow jams comme In The Morning avec Drake. Cette mixtape de J. Cole est très intéressante, vaut l'écoute, et je dirais est encore mieux réussie que ses deux premiers albums solo. Barrington Devon Hendrix était enrôlé dans l'Air Force et parcourait le monde dans l'exercice de ses fonctions, comme l'Allemagne, le Koweït ou encore le Japon. Il utilisa la musique comme exutoire et produit de nombreuses mixtapes au début des années 2010 contenant du rap ou simplement des instrumentales, à l'image de Dream Customer Song ou encore Joe Chill World. Sa patte singulière aussi entre le sampling et les productions originales pour atteindre son apogée en 2013 avec The Ghost Pop Tape. L'historique de cette mixtape est assez brutal, car le jeune artiste menaça de se suicider si le succès de cette mixtape n'était pas à la hauteur et lui permettait d'accomplir
une carrière d'artiste par la suite. Presque 10 ans plus tard, l'artiste est bien en vie et on le connaît maintenant sous le nom de JPEG Mafia, un artiste de hip-hop abstrait underground hautement acclamé. Pour ce qui est de la Ghost Pop Tape, je trouve que c'est un projet avant-gardiste, singulier, avec une sonorité unique à son époque. En effet, on assiste à une espèce de R&B mélancolique sur des nappes de synthétiseurs éthérés et fantomatiques, laissant place à un curieux mélange entre les rimes et les chants lancinants de Devon Hendrix, des bruits des bas amoureux ou encore un fond sonore de match de catch de la WWE. La production est presque électronique et pourrait même être assimilée à une forme expérimentale de Vaporwave. Ce projet a une sonorité intemporelle, mystérieuse et intrigante que je recommande à ceux qui veulent découvrir une autre facette artistique de JPEG Mafia ou bien se plonger dans une véritable expérience musicale. Le collectif Hot Future faisait sensation au cours des années 2010 dans la scène hip-hop. Chaque artiste avait sa patte et sa sonorité propre. Les productions tranchaient vraiment avec ce qui se faisait à l'époque, avec un usage prononcé de synthétiseurs ou une sonorité abrasive, presque lo-fi. Bien que les rappeurs constituaient la majeure partie du groupe, Frank Ocean se démarqua du lot en tant que crooner et chanteur R&B de la troupe. Son tout premier projet, sorti en février 2011 et intitulé Nostalgia Ultra, nous montre les talents de compositeur et la qualité des textes d'un artiste alors âgé d'à peine 23 ans. Ce que j'adore avec ce projet, c'est bien sûr la voix exceptionnelle de Frank Ocean, mais surtout la sélection intéressante de productions qui oscille entre soul, R&B et electro rock. On a des productions originales avec les excellentissimes Novocaine et Swim Good, et leur refrain intoxicant, le piano et la rythmique de Love Crimes, ou encore Nature Feels et We All Try qui reprennent les titres les plus connus de MGMT et de Tyga. Sans atteindre les hauteurs de Blonde ou encore Channel Orange, le projet est court et plaisant et reste encore à mes yeux l'une des meilleures mixtapes de R&B de l'histoire. Joey Badass nous fit une très belle surprise en sortant en 2012 son projet intitulé 1999. Alors à peine âgé de 17 ans, l'adolescent sort ses tripes sur cette mixtape truffée de productions soulful et boom bap, qui comme son nom l'indique rend hommage au hip-hop de l'âge d'or des années 90. Sans sauter aux allusions à Nas, le talent et la forte présence du jeune rappeur au micro est ce qui m'impressionne le plus. Son flow agrémente à merveille le choix judicieux des productions, comme Wave signé Freddy Joachim, ou encore le superbe World Domination avec son beat signé par MF Doom. Tantôt plus agressif sur les morceaux plus battle rap comme Survival Tactics ou Killuminati, il est aussi très sûr de lui sur des morceaux plus décontractés, conscients ou introspectifs, comme Righteous Mind et Penny Royal. Les rimes sont propres et le MC surfe à merveille sur l'ensemble des productions boom-bap de la mixtape. À noter également la présence de l'intégralité du crew Pro Era, qui livre des performances de qualité sur toutes leurs featuring. Un album qui fait encore rougir la plupart des albums de hip-hop mainstream actuellement et qui reste 10 ans plus tard l'une des meilleures mixtapes de l'histoire. Le début des années 2010 est une période charnière pour le R&B, car certains de ces artistes allaient totalement chambouler ses codes. The Weeknd était une voix sans visage à l'époque. Son premier projet, House of Balloons, fut une véritable surprise et le précurseur d'un dark R&B vaporeux et envoûtant. L'artiste y évoque des thèmes qui deviendront récurrents dans ses albums suivants, comme l'hédonisme, l'abus de drogue. Qualifier ce projet de sensuel serait un euphémisme. La production y joue pour beaucoup, avec la production downtempo sur What You Need, ou encore une espèce de rock langoureux avec Wicked Games et sa guitare très présente. La voix d'Abel est un instrument à part entière et nous plonge à merveille dans cette obscure spirale hédoniste. L'impact de cette mixtape est tout juste inestimable pour l'histoire de la musique, car elle a donné avec l'aide de Janelle Monáe, Miguel ou encore Frank Ocean, ses lettres de noblesse au R&B. Elle a bien sûr également fait connaître au monde entier le talent inestimable de l'une des plus grosses superstars actuelles de la musique. Un projet que j'apprécie énormément et qui, sans l'existence de Dawn FM ou encore After Hours, resterait mon projet de The Weeknd favori. Le rappeur new-yorkais ne fait pas sensation à ses débuts par ses qualités de parolier, mais l'ambiance vaporeuse et flottante de cette mixtape le démarque clairement du reste. En effet, c'est l'un des projets les plus importants et emblématiques du cloud rap, en grande partie due par la qualité des productions de Clams Casino. Ce dernier fut l'un des pionniers du mouvement de par son travail prodigieux et légendaire sur la production de I'm God de Lil B. Live Love ASAP regorge donc de pépites cloud rap du même calibre comme Palace, What's Up, Bass, Demons ou encore Sandman. On y retrouve d'autres membres en featuring du ASAP crew et même si je trouve que la mixtape est un petit inégale dans son ensemble,
Je l'ai quand même beaucoup écouté à sa sortie, rien que pour son impact et son influence sur le hip-hop à cette époque, et qu'elle permet à A$AP Rocky de devenir l'une des figures majeures du rap à suivre, je recommande fortement l'écoute de cette mixtape. Charles Hamilton était un véritable ovni à l'époque où je l'ai connu. À l'époque de l'âge d'or des mixtapes et en plus de sortir des projets à l'appel, Charles Hamilton avait une aura et un talent unique. Fan de Sonic le Hérisson, de la couleur rose et affublé d'un style vestimentaire assez distingué et excentrique pour l'époque, sa personnalité et son image d'artiste avaient des années d'avance par rapport à celle de ses contemporains. Hamilton était doué au micro, avait des rimes percutantes et pouvait composer dans différents registres, allant du banger qui tabasse au love song ou aux chansons plus introspectives. Un point dans lequel il brillait tout particulièrement était celui de la production. Un véritable prodige du sampling, il pouvait s'approprier n'importe quel morceau soul, R&B, pop, rock et encore même metal. Tout ce cocktail, vous le retrouvez au plus haut niveau dans son projet légendaire de Pink Lava Lamp. C'est une petite pépite hip-hop méconnue qui ravira tous les fans de sampling soul. Mention spéciale à mes morceaux favoris, Voices et I'll Be Around pour leur production d'élite, même si tous les autres morceaux de l'album sont également bien servis à ce niveau. Parmi presque ces 200 mixtapes, ce projet est définitivement son pic, même si cette mixtape malheureusement ne lui permirent pas d'atteindre les sommets auxquels il devait prétendre. C'est en 2008 que je découvris, comme beaucoup d'autres fans de hip-hop, un artiste dénommé Kid Cudi au travers de sa mixtape A Kid Named Cudi. Ces projets reflètent déjà la singularité de l'artiste à cette époque. Sortant des carcans du MC conventionnel avec des textes simples, facilement identifiables, il porta avec lui une jeune génération de millennials avec un son qui lui était propre. Kid Cudi n'hésite pas à s'ouvrir à ses états d'âme, ses amertumes, les prémices de sa dépression, sur des morceaux devenus mythiques, comme le fameux Man on the Moon Anthem ou encore Save My Soul. Sa voix est également intéressante et sa capacité à entonner les refrains de ses chansons apporte plus de profondeur à la qualité de ses morceaux. Outre ses chansons un peu plus lentes et introspectives, on voit également les talents de MC du jeune artiste. Sur des titres un peu plus up-tempo comme Down and Out qui reprend une production de Outkast ou encore Spazzin. Finalement, et ce qui m'a le plus marqué, c'était certaines de ses productions qui étaient tellement originales à l'époque, qui s'apparentaient un peu à une espèce de rap électronique ou alternative avec un usage prépondérant du synthétiseur. Les plus marquants sont bien sûr Day and Night, Embrace the Martians ou encore Heaven at Night. Un bon projet qui a tourné en boucle lors de sa sortie dans ma playlist et qui nous a fait découvrir un artiste fondamental de ces 15 dernières années. S'il a une mixtape qui a fait un buzz incroyable et boosté la carrière de son auteur, c'est bien Acid Rap de Change the Rapper. Le flow, les gimmicks vocales et la voix un peu nasillarde du rappeur de Chicago a une empreinte suffisamment unique pour que l'on puisse simplement aimer ou détester ce projet sorti en 2013. Un phrasé particulier, des rimes percutantes et un rap conscient sur fond de production funky et haute en couleur, voilà le cocktail qui désigne le mieux Acid Rap. La variété de la mixtape est ce qui m'a fait le plus accrocher à cette collection de 14 titres. On a par exemple un Chains introspectif au flow posé sur le sublime sample de Acid Rain signé par Jake One ou débordant d'énergie sur l'ultra entraînant Push A Man. On a un groovy et percutant Cocoa Butter Kisses qui brille par son refrain addictif. Et je souligne également en particulier la reprise du sample de Fall in Love de Slum Village avec Everybody's Something, ou encore le très doux Lost avec No Name. Les productions sont excellentes, soulful et funky, avec une dimension organique, avec de la guitare ou un piano électrique façon Verlizer sur la plupart des morceaux. Et on a aussi des ambiances différentes avec des morceaux un peu plus trap. La sélection de featuring est riche et vraiment très intéressante, avec notamment Absol, Childish Gambino, Saba ou encore Action Bronson. Un projet que j'ai poncé pendant des semaines, peu de temps après sa sortie, et qui fait encore beaucoup d'ombre au premier album mainstream de Chance the Rapper, The Big Day. Les thèmes sont variés et même si Chance n'est pas le MC le plus technique qui existe, cette mixtape est une véritable bouffée d'air frais, un effort artistique remarquable que je recommande fortement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans la rubrique des commentaires. Et je vous dis à plus pour de prochaines aventures.